Le Pitch Cinéma de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si vous avez adoré Johnny Hallyday jouant le sosie de Johnny Hallyday dans Jean-Philippe Allumé et que vous êtes fan de Claude Lelouch, surtout lorsqu'il convoque un casting impressionnant pour des histoires multiples comme dans Les uns et les autres, alors ne manquez pas son dernier opus, Chacun sa vie, un film choral avec moult visages connus. 13 individus vont se retrouver lors d'un procès. Mais qui sont-ils et quelle est leur vie? Nous allons essayer, mesdames et messieurs, de le juger le moins mal possible. On va commencer avec un divorce par consentement mutuel. C'est vraiment vous? Elle vient de là, elle vient de bleu. On annonce plus de mauvaises nouvelles. Sûr que vous voulez divorcer? Ah oui, 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 oui. Pour ce prochain film, si vous avez été touché par les questionnements amoureux et le mal-être des trois adolescentes de Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, et que vous avez tout simplement été subjugué par Antoine-Olivier Pilon alias Steve, le fils à fleur de peau de Mummy, alors courez le voir dans Une 54 du Québécois Ian England, un film poignant. Ça, c'est juste pour toi. Victime de nombreuses railleries et méchancetés, Tim décide de se battre à sa manière en faisant le meilleur chrono aux 800 mètres. Il y a 1,56. Si tu veux faire les nationaux, c'est 1,54. T'as 2 secondes à aller chercher. Puis ces 2 secondes-là, ça va être les plus souffrantes de ta vie. Également à l'affiche, si vous aimez l'aventure et James Gray, ne manquez pas Love City of Z. L'histoire vraie de Percival Fawcett, colonel britannique, qui sacrifia sa vie à l'exploration d'une cité perdue en Amazonie. Et aussi, le Grand Prix du Festival du film fantastique de Gérard Armé 2017, Grave, de Julie Ducournau. Un premier long-métrage empreint de cannibalisme, âme sensible, s'abstenir. Voilà pour cette semaine, le Pitch Cinéma de France 3, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui voyez, ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit, à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3.